Notre plan stratégique Impact 2023, il a été fait avec les pays et pour les pays. Pour les opérationnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire des priorités claires, on a choisi des batailles, celles où on peut faire le plus de différence. Ça veut dire derrière de l'aide, des autres zones ou du siège, pour livrer les résultats de ce plan dans les prochaines années. Et ça veut dire du digital à tous les étages. On a choisi des priorités très claires, et notamment sur les activités qu'on souhaite accélérer, parce qu'on fait déjà très bons résultats, et qu'on peut avoir une vraie différence par rapport à la compétition. Ces activités, c'est quoi? C'est le déchet dangereux, la valorisation des déchets solides, le recyclage des plastiques ou le combustible solide à partir de déchets. C'est l'efficacité énergétique et c'est l'écologie industrielle. Alors, il y a plein de choses qui me rendent fière de travailler pour Veolia, mais si je devais en citer une, ou en l'occurrence deux projets qui n'en sont dans le même type, on aurait un projet en Lorraine et un projet en Finlande. On a dans ces deux projets quelque chose en commun, qui est de remplacer des combustibles fossiles par autre chose de plus vertueux et de plus vert. Dans un cas, en Lorraine, on a remplacé du charbon par du CSR, c'est-à-dire du combustible soluble de récupération. En Finlande, on a remplacé du fioul lourd par de l'asphaltène, qui est du résidu de production de la raffinerie. Dans les deux cas, à l'issue de ces projets, c'est donc moins de CO2, moins de pollution et des moindres coûts pour nos clients. Veolia, en 2023, pour moi, c'est le leader de la transformation écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nos clients, qu'ils soient une industrie ou une municipalité, quand ils auront une question sur cette transformation écologique, ils penseront une chose, il faut que j'aille voir Veolia. Parce que ou alors Veolia a la solution, ou alors on va la trouver pour eux.